Je l'ai bouffé. Oh! Il est en train de se vénère. Tout ça parce que j'ai mangé... Hey, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai mangé l'omelette. T'es pas content? Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Suicide Guy, un jeu que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. On avait fait la partie 1 tous ensemble et vous m'avez demandé la partie 2. Donc on va continuer ensemble. Donc alors attends, ça, alors celui-là... Ah c'est celui-là avec le petit phare maintenant qu'on doit faire. Allez, on va tester ça. D'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne durant la semaine, je suis désolée mais je n'étais pas chez moi à ce moment-là. Donc c'était un peu compliqué pour moi de faire des vidéos. Mais maintenant c'est bon, les vidéos ont repris depuis hier avec Bigfoot. Alors, il y a un phare, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous rappelle que Suicide Guy, tout est dans le nom, on doit trouver une façon en fait de mourir tout simplement. Alors, ici on a Moby... Ah, Moby Duck. Mais Moby Dex, Moby Duck, célèbre baleine bien évidemment. Non, elle ne s'appelle pas Moby Dick, elle s'appelle Moby Duck, hein, vous l'avez bien entendu. J'ai mon sweat qui m'emmerde, attendez deux secondes, voilà, c'est bon, tout va bien. Donc du coup, alors petite musique bien, bien entraînante. Alors, petite lampe. Ah! Attendez, on va prendre ça, vous vous souvenez des petites statues? Yeah! Alors. Ah! Là! Elle est là! Eh oh! Moby Duck est là! Ok. Ah! C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, et je pense avec la lumière, j'éclaire. La meuf, pas du tout, tu sais. Ah pardon, ok. Bien, j'ai pété le... Voilà. Et là, faut la poser là-dedans. J'étais sûr, yeah. Donc là, c'est dans le mauvais sens, bien évidemment. Voilà. Là. Je sais pas ce qui se passe. Ah, là. Oh, ça y est, ça y est, ça tourne mal. Ça y est, ça tourne mal. Titanic. Vous entendez? Ça, si vous voulez mon avis, c'est le phare qui est en train de péter. Donc la mort nous attend, donc bonne nouvelle. Là. Oh là, je crois qu'elle charge, hein. Je crois qu'elle charge, je crois que ça tourne mal. Attention. Oh. Et c'est la fin de cette vidéo. Je me demande combien il y a de levels dans le jeu. Alors ça, on a réussi. Ah ouais, ok, donc c'est toutes les tables. Ah, cool, avec un clavier et tout. Qu'est-ce que c'est? Tu vas te faire de... tu vas devoir faire de l'informatique et du coup tu vas t'électrocuter. Ah, ça me rappelle le jeu qu'on avait fait, je sais plus comment, Alone... Je sais plus comment il s'appelait le jeu. En gros, tu te suicidais quoi. Ah, bah là ça a l'air d'être le même concept. Ah merde, sauf que là il y a les fenêtres anti-suicide quoi. Enfin, je pense. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on est... Oh, un donut! J'adore les donuts! Yeah, hit a donut. Yeah. Oh bah attendez, je vais tout bouffer. Hein. J'adore les donuts. Vous savez lesquels sont mes préférés, les copains? Bah je voulais vous le dire, moi. Ce sont les donuts roses. Comme Homer Simpson. Alors. Ah, statue. Yeah. Ok. Ah, attendez, peut-être foutre le feu. Attendez. Ok. Alors. Les donuts. Il y a des donuts partout, il est trop bien ce travail. Ils ont tous des donuts. Alors attendez, quel va être le but? Du coup, je suis en train de regarder. Oh! Putain, on est sous XP. Problème has been... Ah! Alors attendez. Ok. Quand j'ai appuyé, il y a le système, ce système-ci qui s'est activé. Et par contre, l'eau a foutu la merde et a tout coupé. Donc il va falloir faire en sorte de couper bah, le système de protection, en fait, je pense. Mais comment faire? Est-ce que je dois la foutre? Bah, il va falloir éclater la tour, tu sais. On va faire un truc au joueur. Ok.
On voit qu'il y a de l'eau qui se remplit, mais ça s'arrête. Où est-ce qu'il va falloir que je foute... Ça, c'est loqué, hein. Ah! Attendez, il se passe un truc là, la pièce ça se remplit d'eau, non? Pas mal là! Ça du coup. Attendez. Oh, ça se remplit pas plus que ça, hein! Qu'est-ce qu'on est censé faire là? Attendez. Ah là, il y a quelque chose! Putain, il y a un truc ici. Je suis sûre que tu dois mettre un truc. Voilà. Ça monte là, non? J'ai l'impression que ça monte. Je crois que le niveau il monte. Il doit y avoir encore une autre... Ah mais du coup ça passe par la fenêtre. Je suis bête. Attendez, on va pouvoir fermer cette fenêtre de merde. Voilà. Regardez-moi ça, on va mourir noyé. Voilà. C'est pas beau ça? Mourir noyé dans un building. C'est beau ça. Donc c'était tout con en fait à trouver. Ok, c'est quoi? Un œuf? C'est un œuf, Harry. Ah. Il y a un bug là. Oh, il m'a fait peur le con! Il y a un T-Rex, les amis! Coucou! Il va me défoncer la gueule. Bienvenue dans Jurassic World. Aujourd'hui, dans Jurassic World, nous allons vous faire découvrir la métamorphose entre un T-Rex et un raptor. Alors, là, il y a un œuf. Ah, ok! Il y a un œuf. Sûrement son œuf à elle. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on fasse. Ah! Hit test. Alors attendez. Je pense qu'en gros il faut juste faire please don't not annoy the T-Rex. People can park. Ah ok super. Oh c'est gay ce qui se passe là actuellement. Hein. Non mais c'est ça. Je pense qu'en fait. Écoutez. Oh. Si c'est vénère. On va essayer. On appuie. Ok. On peut le mettre genre au micro-ondes. C'est grave. Les mecs. On peut le mettre au micro-ondes. Ouh. Je croyais qu'il avait des pop. Voilà. Ça s'énerve pas. On va faire une omelette hein. Ah. Ah. Il était en train de chanter la chanson de Jurassic Park. Il faisait écoutez. Écoutez. Vous allez voir. Écoutez. J'avais pas entendu depuis tout à l'heure. Trop stylé. Ah! Putain, ça a pété. Yeah, la technique. Ça a fait une omelette. Tiens, tu le veux? Si tu veux, je t'offre ça. Je garde l'omelette. Salut. On a réussi. Yeah. Bleh. Oh, le truc, comment c'est, quoi? Bon, je pense que tu le mets dans l'assiette, là. Je l'ai bouffé. Oh! Il est en train de se vénère. Tout ça parce que j'ai mangé... Eh! Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai mangé l'omelette? T'es pas content? C'est mon omelette, ok? C'est la mienne! Tout ça pour ça.
Il m'a défoncé la gueule. Allez, on s'en fait un petit dernier. Quelle saloperie. Tout ce temps qu'on a mis juste pour ouvrir un œuf. Enfin, pour vous, c'est hyper condensé. Ça se trouve, ça a duré que l'espace de quelques secondes. Pour moi, ça a été plusieurs minutes, hein, je vous le dis. Donc, on peut pas sortir, je suppose. Ok. Donc, on est dans une salle de bain avec une baignoire. Ah, bah, faut faire une clo-clo. Cherche pas. Il n'y a plus d'eau. Tu peux tirer la chasse. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau qui coule. Voilà, ça va être assez simple. Hein. Ok, donc là, il n'y a pas d'eau. Un petit canard, tout est propre. Ah, par... Oh, on peut sortir, ok. Autant pour moi. On peut sortir. Donc, ah, je croyais qu'on pouvait choper le lit et tout. J'allais dire, c'est un peu abusé quand même, là. Ok, donc... Je pense que le problème va être assez vite réglé. Puisque il y a un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est où j'ai cru voir. Hein. J'ai cru voir un truc carrément chelou dehors. Ça fait un peu peur comment tout est placé. Il y a clairement un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors, il va falloir trouver... Oh putain, il y a un problème d'électricité en fait, carrément là. EDF ? Là. Voilà. Oh putain, sinon il y a la tronçonneuse. Ah là. Ok. Alors attendez, il faut une clé. Est-ce que la tronçonneuse ça marcherait pas à tout hasard? La petite tronçonneuse qu'on avait, vous savez? Elle. Ça, ça se trouve, m'étonnera pas que ça marche. Hein. On gagnerait du temps. Hein. What? Alors j'ai pas trop compris. Ah! Encore une autre Game Boy? Bon, va falloir reboucher les fuites là. Alors hop. C'est bon. On a la situation bien en main là. Bon, hop, et de 1. De 2. On est bien là. Voilà. Et de 3. Nickel. Là, je pense que je vais pouvoir remonter. Attendez, on va faire un test. Hein. Ah là. Et là, truc très con, sauter dans la baignoire, je suis sûre. Et l'allumer. Yeah. Et voilà. Et voilà. Comment refaire une clo-clo en 2 minutes top chrono. Tuto. Bon les copains, du coup on va s'arrêter ici pour cet épisode de Suicide Guy. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou mettre des commentaires tout simplement. Ça m'aide à savoir si vous ou non vous voulez une partie 3. Moi ça m'aura bien fait marrer. Je crois qu'on approche de la fin. Je crois qu'il y a 22 petits levels et je crois qu'on est au level 14 là je crois. En attendant, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.